Problème technique. En noir. Comment ça, c'est en noir? Attends un peu là. Comment ça, donc? Ça marchait tantôt. Mais problème technique en partant. On aime ça. Hein? oui. Et voilà. Je suis là. Je suis là. Bon, c'est réglé. Ah, au moins, on peut régler ça rapidement. Salut, quand on connaît ça. Hey, bonsoir tout le monde. Vous écoutez Radio Pointeau, un podcast dédié à Pointe-aux-Trembles, l'Est de Montréal. Son histoire, ses mystères, et on parle aussi de l'insolite de films et de jeux vidéo. Bienvenue à tout le monde, ici Alex. Et Ninja quoi faire? Et c'est parti les gars, bonsoir Denis, comment tu vas Denis? Hey, merci d'être là pour nous écouter, merci. Oui, merci. Bon, hey, toi comment tu vas Ninja? Ben, ça va bien, ça va bien. Écoute, j'ai de me lever de ma sieste. Ça, faut pas le dire, hein, mais je faisais une sieste juste avant le show. Fait que, en pleine forme. Comme je te disais préalablement, là, je viens de manger des pâtes, là, fait que je m'étais endormi. Là, ça, c'est ça, un petit coma diabétique. mais ça va super bien. Ça va très, très bien. Ouais, bon, ouais. Ben, c'est l'automne hein, quand ouais. même. Là. Oui. Là, aujourd'hui, c'est notre épisode 15 de Radio Pointeau. Déjà l'épisode 15. Fait qu'on est bien content d'être rendu à 15 épisodes. Moi, sérieusement, ça dépasse. À chaque fois qu'on fait un nouvel épisode, ça me dépasse qu'on soit rendu à 15 épisodes. Là, où la dernière fois, c'était 14. Je trouve que c'est crime. On en fait des épisodes d'à peu près une heure et quart, une heure et demie, des fois deux heures. Ça veut dire qu'on pourrait là, maintenant écouter Radio Pointeau non-stop pendant 24 heures. Là, une journée complète hein? de Radio Pointeau. Oh là là! Mes oreilles saignent. Ouais, ben là, c'est sûr que nos premiers épisodes, t'sais, ils n'étaient pas rodés, puis c'était plus. C'était, en tout cas, on se pratique toujours, là, fait qu'on s'améliore tranquillement. Fait que dernier épisode, ben on était, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, on était sur la route. À la veille de l'Halloween, le vendredi 29 octobre, on s'est promené dans les rues de Pointe-aux-Trembles à la recherche des plus belles décorations. T'as-tu récolté beaucoup de bonbons avec ta fille, toi, Ninja? C'est fou cette année. Je sais pas si il faisait tellement pas beau à l'Halloween cette année. Je sais pas si c'est parce que, justement, il faisait pas beau, il y avait moins d'enfants qui passaient. Mais ma fille, en fait, pas moi... non, c'est comme quoi que oui, j'ai pris quelques bonbons avec son consentement, bien entendu. Oups, ça a gelé. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment l'année, je pense, qu'elle a ramassé le plus. Fait que oui, ça a été vraiment agréable. Puis je voulais confirmer un petit peu qu'est-ce que mes appréhensions, là, quand on, pas mes appréhensions, mais mes impressions lors de notre dernier live. Dans le fond. On se promenait, il n'y avait pas tant de maisons que ça décorées. Le lendemain, non plus, je te dirais, c'était une année pas super pour l'Halloween. Mais il y en avait un petit peu plus, Alex. Je pense que les gens ont attendu un peu plus à la dernière minute, là, sachant qu'il n'allait pas faire beau. Puis ils se sont peut-être un peu moins donnés, là, des décorations un peu plus vite faites. Mais par contre, au niveau de la collecte des bonbons, là... les gens ont été généreux, puis c'est bien le fun. Fait que on remercie tous les parents, pointeliers, pointelières. Ben, pas juste les parents, mais en fait, tout le monde qui ont, les maisons. Qui ont participé à ça, puis ben, même ceux qui ont pas participé à ça. Écoute, c'était bien le fun. De ton côté, ils ont bien aimé ça, mes enfants. Ils ont bien trippé. Ils avaient hâte de passer l'Halloween cette année, puis... C'est, ce qui était dommage un peu, c'est la pluie là, qu'il y avait cette année. Là. Mais ça n'a pas empêché que moi, je suis resté à la maison pour donner les bonbons. Là, puis vraiment, les costumes étaient magnifiques. C'était les jeunes là, se sont donnés. Là, puis ils étaient contents de passer l'Halloween là, cette année. Puis ça paraissait. Puis je pense que le monde était content de les recevoir pour leur donner des bonbons. Fait que ça confirme un peu ce que tu dis. Là. Au niveau de la décoration, ben moi, je n'ai pas vu les maisons décorées le soir de l'Halloween parce que j'étais resté à la maison. Mais n'empêche que c'était une très belle Halloween. Fait que... Moi, je l'ai passé un petit peu en auto. Là. On s'est promené en voiture. Là, puis... Ben dans le fond, ma fille, elle a fait les deux. Elle a fait une partie de la soirée à pied, puis l'autre partie, on était un petit peu plus loin en voiture, puis ben, c'est ça.
tant plus de décorations que ça. Mais il faisait pas beau, c'est ça. Non, c'est ça. Mais outre l'Halloween, il s'est passé quelque chose, un autre événement marquant depuis notre dernier épisode. Et je te laisse deviner c'est quoi. Événement marquant depuis notre dernier épisode qui concerne Pointe-aux-Trembles. Oui. Attends un peu là. L'ouverture de l'épicerie, non? Non, mais Je sais non. pas. Les élections municipales. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ben oui, c'est vrai, excuse-moi. Ben oui. Les C'est élections vrai. municipales qui ont lieu la fin de semaine dernière. Là, je sais pas, toi, t'es-tu allé voter? Oui, je suis allé finalement. Moi, c'était à l'école. À l'école. L'école ici, là, Montmartre, là, juste à côté de ma maison, dans le fond. Oui, j'y étais. Bon, mais félicitations. Oui. Moi, je suis pas allé voter, puis c'est bien poche. C'est niaiseux. Pourquoi je n'ai pas voté? C'est parce que je suis pas allé voter par anticipation la fin de semaine d'avant. Et je travaillais, moi, aux élections municipales. Il Ah, y a peut-être des gens qui m'ont vu. J'étais à l'école Sainte-Germaine-Cousin. Donc, pas trop loin de la Rousselière, là, dans le fond, là. Et on n'avait pas le droit de sortir pour aller voter. Puis, de la manière que ça marche aux élections municipales, c'est que il faut que tu votes vraiment au bureau de vote, attitré, en lien avec ta résidence. Il faut que tu sois inscrit sur la liste électorale et tu peux pas te faire inscrire le jour même sur la liste électorale. Fait que les gens devaient recevoir un carton avant, puis ça disait à l'électeur, puis là, vous êtes inscrit, tel nom, ils sont inscrits sur la liste électorale. Si c'est pas vos noms, ben, il faut aller à telle place, modifier ça, blablabla. Bla, 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 bla. Ça sonne comme une lacune, ça, là, Alex. Ouais, ben oui, moi je suis bien déçu, là, puis c'est ma deuxième expérience d'élection. J'ai fait les élections fédérales aussi, puis au niveau municipal, je trouvais que ça manquait qu'on puisse pas, au moins qu'on puisse pas, les gens qui travaillent aux élections ne puissent pas aller voter, là. Ça, c'était vraiment un peu ridicule, là, je trouve, là, parce que tu travailles aux élections, mais tu peux pas voter le jour des élections parce que tu travailles aux Oui. élections. Tandis que n'importe quel autre job, tu as le droit d'aller voter, là. Fait que... Si ça avait été, mettons, comme une raison d'éthique, dire, bon, vu que vous travaillez là, vous pouvez pas que, il faut rester impartial, donc votre vote serait annulé. T'sais, ça, j'aurais à la limite compris, mais là, le fait que, parce que tu travailles aux élections, on te laisse pas sortir pour aller dans ton district, ça, c'est un peu étrange, j'avoue, là, c'est... Ben oui. Ouais. Il y a Steve Nicolas Nadeau qui vient de liker notre stream. Merci Salut, Steve Steve. Nicolas. Merci, merci. Yes. Puis Oui. ben ça, outre ça, moi j'ai quand même aimé mon expérience, mais il n'y a pas eu grand monde qui sont venus voter, là. Ça, c'était un peu dommage. Puis t'sais, on estimait, pour vrai, t'sais, chaque pôle où je travaillais, là, il y avait à peu près 250 personnes inscrites sur les listes de chacun des pôles. Puis moi, j'ai eu au total, là, en 2 jours d'élection, c'est-à-dire là, presque 12 heures par jour, là, parce que ça a commencé à 8h30 le matin, puis jusqu'à 20h le soir pour aller voter. En 2 jours, j'ai eu 41 personnes qui sont venues voter. Fait que je dois vous dire que le temps est long, longtemps. Quand je me disais à la blague, quand je travaillais, je dis, hey, ça, c'est vraiment une machine à ralentir le temps. Ça. Travailler aux élections, là, ça slow down the time. Ouais, hein? Ah Ouais. non, écoute, ben non, c'est ça, c'est. Ben oui, moi j'ai été surpris quand tu m'as dit ça, 41 personnes en 2 jours, là. J'aurais jamais pensé que c'était aussi pas tant de monde que ça, finalement. Puis écoute, ce que tu dis fait plein de sens, parce que moi, quand je suis allé, il y avait peut-être. Je pense qu'il y avait deux ou trois autres personnes dans tout le. Dans toute l'école, tu sais, qui venait voter, là, j'ai vraiment pas croisé beaucoup de gens. Là, ça a été. Ben d'ailleurs, il disait que le pourcentage de participation avait vraiment pas été élevé, il me Non, c'est semble. 34% là, à Ouais, c'est l'échelle, ça. je pense que c'est de la province, là. Hey, salut Ouais. Alexandre Vincent, merci beaucoup de ton encouragement, là. Merci d'être présent ce soir. Salut, Alexandre.
Ouais, puis mais sinon, au niveau des. Ben là, on sait maintenant qui sont les vainqueurs, là, puis c'est pas mal toute l'équipe de Projet Montréal qui est rentrée, là, parce que on pouvait voter pour quatre personnes hein, à Pointe-aux-Trembles. Il y avait le conseiller, il y avait le maire de la ville, le maire d'arrondissement, conseiller de ville, puis conseiller d'arrondissement. Et sans grande surprise, il devrait encourager les gens avec des Mr. Puff pour aller voter. C'est oui, ben oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou Ouais, bien faire un genre de. Faire un parti. Parce qu'on a un Mr. Puff à Pointe-aux-Trembles, là. Oui, c'est ça. Alexandre Vincent, très bonne idée. Ça ferait peut-être grimper un peu ou bien les votes. sans. Ou bien, ben oui, c'est sûr que des Mr. Puff, ce serait cool. Mais peut-être, tu sais, genre, si tu vas voter, t'as une réduction sur tes taxes. Ouais, Tu sais, genre, un petit 1% de moins là, de taxes, là, c'est cool là, pour un vote, avec un collant de Radio Pointeau. là. Ouais, c'est ça. Ah, un collant de Radio-Pointeau, ça aurait été une bonne idée aussi, là. Ouais, fait que pour les gens qui ont gagné, là, je vais revenir là-dessus. Là. Ben, il y a Caroline Bourgeois qui a été réélue mairesse d'arrondissement. Ben oui, qui est venu sonner chez nous, qui est venu sonner chez nous. Ben oui, moi j'ai eu la visite de Valérie Journaud, elle, qui se présentait pour être conseillère de ville. C'est elle qui remplace Suzanne Descaries, là, au conseil de ville. Là. Donc c'est le conseil central de l'île de Montréal, là, dans le fond. Puis il y a aussi Marie-Claude Barry là, qui est conseillère d'arrondissement qui s'y a été élue. Alors toute l'équipe de Projet Montréal sont rentrées et Merci Denis de liker le stream. ouais wow, c'est cool hey, merci tout le monde fait que c'est ça, c'est toute l'équipe de Projet Montréal. Là, moi, j'ai une question pour toi, Ninja. Ça serait Vas-y, quoi, vas-y. mettons là, on n'est pas nécessairement dans le réalisme, là. Ça serait quoi, mais tu sais, mettons là, il y a un maire qui rentre à Pointe-aux-Trembles, là. Ça serait quoi que toi, tu verrais comme. Tu sais, ça serait quoi le best qu'un maire pourrait faire, là, genre, à Pointe-aux-Trembles? Ce serait quoi le plus beau Oh! projet? Hein, Ouais, oui, bonne question. Bonne question. Vraiment bonne question. Ben, moi, je l'ai déjà dit, je pense, dans un autre épisode, de favoriser les commerces qui sont plus là, socialisants, là, tu sais. Ben, il y en a, mais vraiment, tu sais, je pense à des commerces un peu plus sur le bord de l'eau, des choses, vraiment des belles choses, essayer d'acheter des terrains qui sont peut-être en ce moment détenus par certains garages. En passant, j'ai rien contre les garages, là, c'est pas ça, là, mais on en avait déjà parlé, comme quoi, tu sais, je sais pas, je verrais ça, là, un resto avec... T'sais, encourager comme des entreprises là, qui font des trucs sur le bord de l'eau avec des terrasses. Là. Ouais, T'sais, ça manque de en plus, terrasse, c'est vrai. ah ouais, oui, moi, c'est une petite terrasse là, sur le bord de l'eau, Colin. Là, t'sais, là, je sais pas, t'sais, que la ville pourrait acheter comme une partie en quelque part. Ou, ça manque vraiment. Puis t'sais, avec la nouvelle piste cyclable, là, le parc à traverser là, en passant, là. Monde, je vous avais parlé aussi dans un autre épisode, là, je m'étais acheté un vélo électrique, là, puis depuis que j'ai ça, ben, je sillonne le parc de la traversée en long et en large, là. Peut-être que vous m'avez peut-être déjà même observé là, sur mon rad bike là, avec mes stickers de Radio Pointeau dessus, parce que je vais travailler en vélo, dans le fond, je ne prends plus mon char, là, je vais juste travailler en bicycle électrique. Puis tu sais, j'imagine que, mettons, l'été prochain, là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de personnes qui vont venir. Déjà, ça a commencé en passant, là, Alex, là, j'ai croisé un paquet de monde là, qui écoute, là, ça fait sortir le monde, ce parc, la traversée-là. Puis ça serait bien justement là, que une destination vélo, là, tu sais, puis que tu peux aller prendre une petite bière sur le bord de l'eau, manger quelque chose. Puis là, je m'égare, ta question,
Qu'est-ce qu'un élu pourrait faire? Ouais, c'est ça. Ce serait de faire la promotion de ce genre de projet-là. Parce que ça manque. Ouais, je suis d'accord avec toi que ça manque là. Alexandre Vincent qui nous dit tout ce qu'on va avoir comme terrasse de luxe l'été prochain, c'est un stand à hot dog à la plage de l'Est. Oh, ben, Ben, ça c'est une bonne nouvelle c'est-tu quand même. vrai, ça? Oui. Mon Dieu, tu m'en apprends une. Ça, c'est quand même cool, même à ça, là, tu sais. Bon. Ben, T'avoue. c'est ça. Mais tu sais, moi je trouve qu'il devrait avoir plus de food truck. Qu'il devrait vraiment, tu sais, il devrait en avoir plus régulièrement. Tu sais, à la place du village, à la plage de l'Est. Fait que. Qu'est-ce qu'il dit? Il faudrait un genre de village au pied du courant à la plage de l'Est. Ben, c'était supposé d'avoir lieu, ça. Ben, il y en avait un. Il y en avait un, en fait. On est allé dans le fond, mais c'était vraiment minuscule là. C'était une première tentative. Tu sais, tu te rappelles à la plage. Ben, c'était pas. Ah, toi, tu parles à la plage de l'Est, mais moi, je te parle à la place du village. Tu sais, il y avait des lumières là, sur le bord de l'eau. Il y avait un petit abri où tu allais acheter l'étiquette pour prendre le bateau. Fait que ça pourrait être plus cool là, Mais si. oui, t'sais, excellent spot, genre pour faire un commerce, t'sais. Ça, vraiment, ça prendrait pas grand-chose, mais on dirait que, je sais pas, là, on dirait qu'il y a personne je sais pas qu'est-ce que. Mais si je serais un élu, là, je m'arrangerais pour que ça se passe, là, parce que c'est pas mal juste pour que le fun pogne, là, il manquerait pas beaucoup d'ingrédients, personnellement, je trouve. Puis, tu sais, on se l'est souvent dit, toi puis moi, Alex, là, on a l'impression, tu sais, depuis le petit nombre d'années qu'on est là, qu'il y a souvent beaucoup de bonnes intentions, puis finalement, des commerces on a vu des commerces fermés, puis on a vu même des commerces qui ont brûlé. Ouais. Ben on espère que ça va changer, tu sais, que ça. Puis j'ai bon espoir quand même. Comme je te dis, là, moi, depuis qu'il y a cette fameuse piste cyclable-là, là, je vois du monde sortir de leur maison, puis je me dis, aïe, aïe, tu sais, c'est. Puis d'ailleurs, on est allé se promener à la plage de l'Est, moi puis ma femme, il y a 2 semaines, puis ma femme, moi aussi, on n'en revenait pas, elle n'avait jamais vu ça. Elle dit, tu sais, il manque pas grand-chose, là, tu sais, pour que ça lève, là, finalement. Ben non, c'est ça. Non, ça va finir par lever. Déjà, moi, je trouve que je suis assez satisfait, là, je dois dire, des 4 dernières années de Projet Montréal avec justement le parc de la Traversée, qu'on voit un avancement concret de cette vieille friche ferroviaire-là qui traînait là, puis délabrée et tout, là. Puis là, oups, c'est transformé en beau parc avec des lampadaires, super beau. Fait que ça, c'est vraiment nice, là. Vraiment. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait qu'on va voir qu'est-ce que nous réservent les 4 prochaines années avec Projet Montréal, là, puis en espérant qu'il n'y ait pas une autre pandémie, parce que là, on commence à en avoir notre ras-le-bol de tout ça, là. Mais sans pandémie, là, moi, je pense que ça va Ça bien va bien. aller. Ouais. Ben, ça va bien, là. On va arrêter de dire que ça va bien aller, là. Ça commence à bien aller pour vrai, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, le fameux dicton, là. Hey, on est dans les nouvelles de Pointe-à-Lière. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Je sais pas si toi, tu en as déniché quelques-unes, moi, comme sujet Pointe-à-Lière cette semaine. J'ai trouvé. Bon, ok, t'es allé, t'es tourné. Ah, ok, moi, j'ai pas ça. Tu sais, il y a un épisode que j'avais parlé de la faune de Pointe-aux-Trembles. On avait déjà parlé des cerfs un matin, puis Ouais, j'avais ouais, effleuré ouais. aussi le sujet des dindons Ah, sauvages. ouais. T'en souviens-tu? Ben, tabarnouche, là, ça a l'air là qu'ils sont encore plus nombreux qu'ils étaient. Ah, oui, c'est ça. Oui, selon un article de Johan Goyat, qui a été, encore une fois, là, dans le journal Métro, là, qui a été fait le 4 novembre 2021. Donc, il y aurait de plus en plus là, la faune qui se développerait, des coyotes, des dindes sauvages là, qui seraient plus présentes spécifiquement dans l'Est, donc dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Les coyotes, Pointe-aux-Trembles. ils mangent-tu des dindes? Ben, c'est ce que je me suis dit aussi. Ah Je sais pas, hein, les coyotes, habituellement, il me semble que c'est des charognards, là, ils vont chercher les carcasses d'animaux morts. Mais je sais pas, probablement, écoute, probablement. C'est des oiseaux, là, je veux dire, mon chien, il en mange des oiseaux, fait que j'imagine qu'un coyote serait bien capable.
Donc, il se base sur quoi là, pour dire ça? C'est un biologiste qui a longtemps travaillé, qui a longtemps habité et qui a vécu à Pointe-aux-Trembles, du nom de... C'est quoi son nom? Tabarnouche. Bon, il ne nomme pas par contre. Ça, c'est un petit peu étrange. Là, dans la, Richard Beauchemin, qui déconseille fortement de nourrir les bêtes. Ce geste peut les rendre encore plus dépendants de l'homme, ce qui favoriserait davantage leur venue. Ah ben. Donc, il y aurait une forte expansion depuis les années 80. Le volatile a gagné du terrain et se dirige toujours un peu plus vers le nord du Québec. Une expansion plus remarquable depuis 2008, selon M. Beauchemin. Donc, ce serait depuis que les États-Unis auraient réintroduit massivement les dindons sauvages dans les États frontaliers du Canada. Ah ouais. Oui, Ce qui est donc... dommage avec le dindon sauvage, là, c'est que tu peux pas vraiment chasser ça parce que c'est pas mal sec. Tu sais, déjà, la dinde à la base, là, c'est sec. Puis le dindon sauvage, là, ben, quand c'est sauvage, ça le dit, ça mange moins. Ah oui? Ça mange, c'est comme plus sec. Comme le canard d'élevage versus le canard quand tu vas à la chasse, là, les canards sont plus petits. Ouais. Fait que Ah le. non, c'est gros, puis il y a même du monde qui se font attaquer par ça, là, par les dindons sauvages. Je sais pas si tu te souviens, il y avait eu un petit témoignage d'une femme sur YouTube là, qui avait même été un mème québécois Ah là, ouais. qui Ah s'est ouais. fait attaquer par un dindon sauvage. Alors, j'en Ouais. ris, mais je ris pas de la madame, c'est juste que c'est. En tout cas, reste que c'est La des. grosse dinde noire à pisser sur ce couch. C'est ça, exact. Fait que, en tout cas, bon, donc c'est ça. Là, il y aurait eu dans les dernières années une hausse de 924 % de la présence de l'espèce d'oiseau. Donc, c'est quand même une grande augmentation. Puis, il y en aurait. Fait que, surprenez-vous pas si jamais vous voyez des dindons sauvages à Pointe-aux-Trembles. Puis, Ouais. c'est ça. Ça a l'air de. Ça a l'air de ben, je pense que les gens savent un peu à quoi ça ressemble. Là. Ça ressemble à une grosse dinde là, Ouais, qui est noire. Là. c'est ça. Le pelage noir, la tête blanche. Ouais, Denis nous dit de checker nos animaux de compagnie. Tu parles pour les coyotes, pour les dindes. Puis les dindons de la RDP doivent se nourrir des vidanges des gens sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Ben, je sais pas qu'est-ce que ça mange hein, non plus, les dindes sauvages, là. Une bonne question, ça. Ouais, dans le fond, mais dans le fond, Denis, il dit checker-les, j'imagine, pour pas qu'il se fasse attaquer. Ouais, par les coyotes, mais ou par les dindes, je sais pas. Ça doit être. Je sais C'est pas. quand même une dinde, là. Ça doit être quand même. C'est gros, là, pareil, un petit chat, là, ça peut manger une volée par une dinde sauvage, là. Ouais, OK, il parle des coyotes, c'est ça. Oh, Ouais, effectivement. Effectivement. Mais je pense que, ouais, mais ça, je pense que ma fille, ils en ont vu, là, à l'école Montmartre, là. On veut un coyote. ah bon, ben écoute, on va swatcher là, ça, Oh. la Swatch, on faune, fait. on va watcher la faune de Pointe-aux-Trembles, puis de Yes. RDP, on Yes. va faire attention. Fait que c'était une petite nouvelle un peu insolite, mais quand même qui est d'une importance, là, pareil, parce que tu sais, je dis, on se rappelle là, tout le tollé des cerfs qu'il y a à Pointe-aux-Trembles qui mangent les haies, là, un petit peu comme à Longueuil, là, ben on a ce problème-là aussi là, Ben oui. à l'est, là. Sinon, écoute, Pointe-aux-Trembles, j'ai pas tant de choses que ça, Moi, malheureusement. j'ai deux petites Oui. nouvelles rapides. Ben, en fait, Oui. une de ces nouvelles-là, c'est. Ben, je sais pas si on avait déjà parlé, mais est-ce qu'on avait parlé des résidents de l'île Sainte-Hélène qui interpellent Chantal Rouleau? De Non. l'île Sainte-Hélène ou de l'île Sainte-Thérèse? Sainte-Thérèse, excuse, l'île Sainte-Thérèse. Non. Non, mais hey, c'est ça. Non. Ben non, sûrement pas. Coralie Hodgson, là, celle qui a l'air de couvrir dans le journal Métro, là, les. Notre quartier. Ouais, dans notre quartier. Nous apprend que le 29 octobre, justement le jour de notre podcast épisode 14, il y a plusieurs personnes qui se sont rassemblées devant les bureaux de Chantal Rouleau à Pointe-aux-Trembles pour dénoncer le souhait d'expulser les résidents de l'île Sainte-Hélène. Ah oui. Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse. Hey, je dis, pourquoi tu dis tout le temps Sainte-Hélène? En tout cas, moi j'étais quand même surpris dans cet article-là qu'il y a une madame. Entre autres, qui disait qu'elle avait. Elle s'appelle Lucie Fillion-Lépine.
Elle réside sur l'île Sainte-Thérèse depuis 53 ans. Puis elle disait que c'était inimaginable de devoir annoncer à ses petits-enfants qu'il faut quitter l'île. Je demande aux, elle dit qu'elle demande aux élus d'être humains, d'être à l'écoute, puis de dire là, que t'sais, on ne veut pas être exproprié, tout ça, là. Fait que là, pour le moment, ben, vu que c'est en processus, il y a des litiges judiciaires là-dedans, là, elle peut pas commenter ça, Chantal Rouleau, là. Fait que ça va être décidé ultérieurement. Mais moi, j'étais vraiment surpris. T'sais, moi, c'est le 53 ans là, que cette madame-là, elle habite là. Je Ouais, pensais c'est pas, t'sais, je savais qu'il y avait du monde qui habitait là, mais je savais pas à quel point qu'il y en avait beaucoup ou que ça faisait combien de temps qu'il habitait là. Fait qu'il y a vraiment l'air d'avoir une petite société là, sur l'île Oui, Sainte-Thérèse. carrément, là. Puis c'est ça, il y a comme, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a personne qui sont réellement propriétaires là-bas. Ils le sont devenus comme un peu par. Tu sais, il y a comme Droit acquis, entre guillemets, là. un genre de droit acquis, finalement, là, tu sais. Mais là, comme il y a des idées de projet qui, tu sais, qui impliquent là, les villes entourant cette. Puis on a déjà parlé au podcast, ça serait vraiment cool, là, tu sais, qu'on puisse aller sur cette île-là. Puis que les gens aussi là, de Varennes je me souviens plus quelle autre municipalité pourrait en jouer. Ça serait vraiment trippant, là, tu sais. Bon, effectivement, là, j'imagine qu'il y a des gens qui se sont comme un peu approprié ça, là, tu sais, de génération en génération, comme cette madame-là. Bon, que, moi, À j'ai de la misère suivre. à pas. Ben personnellement, j'ai de la misère à pas prendre parti, moi, là-dedans. J'étais un peu. Tu sais, oui, je suis chanceux, je suis propriétaire d'une maison, mais quand je vais crever, ce sera plus à moi, là. Ouais. Je suis pas tant. J'ai plus un peu l'esprit de. Ben, si tout le monde peut en profiter, ça serait vraiment cool. Mais tu sais, si tu quelqu'un qui habite là à l'année ou si c'est son chalet, tu sais, c'est. En tout Ouais. cas. Qu'est-ce qu'elle disait dans l'article? Est-ce qu'elle disait que c'était son chalet Non, ou. non, elle disait Mais. qu'elle résidait là depuis 53 ans. Ouais, quand même. Je voudrais pas. Ça serait dommage que cette personne-là puisse. Ou peut-être qu'ils peuvent justement là, essayer de trouver des terrains d'entente là, à ce que ces gens-là puissent continuer à rester là tout en. Parce que je pense que l'île est quand même assez grosse. Puis tu sais, peut-être que ces gens-là pourraient travailler là. Ou tu sais, je sais pas. Ouais, Veuillez. il y a de quoi à faire, mais je serais Ouais. surpris que ça soit si simple, par contre. Ouais, ouais, Il y a ouais. Alexandre Vincent qui Oui. nous dit qu'il faut souligner le retour du karaoké au Bullseye vendredi prochain. Ah, Je savais tabarnouche, même pas que OK. c'était redevenu légal, le karaoké. C'est Ben bien non, moi cool, non ça. plus. Puis je Ben savais même quand. pas qu'il y en avait au Bullseye. Hey, moi, là, ça, Ben. c'est quelque chose que je suis pas allé assez souvent au Bullseye. Je suis pas allé voir les Escape Room. Je suis pas allé profiter de la sélection de bières, de la terrasse. Ouais, ben écoute, faudrait, ouais, hein, faudrait, hein. Ouais, faudrait qu'on essaye ça là. L'hiver s'en vient, ça va être propice à aller peut-être à des endroits à l'intérieur. Fait que un petit vendredi, on pourrait aller s'essayer ou d'aller voir ça le bullseye, qu'est-ce que ça a de l'air, le karaoké là-bas. Je garantis pas que j'irai chanter, là, mais Mais il y a aussi ça peut être cool. je pense qu'il y a des soirées d'humour aussi là-bas, tu sais. Oui, c'est ça, t'étais-tu déjà allé, je pense, à une Non, je soirée suis jamais d'humour là-bas? allé, mais j'aimerais Et ça aller voir ça, là. ben écoute, on se donne comme mission d'exploiter ça aussi. Allez, mercredi. Petit. Oui, parlant de les mercredis, ben merci Alexandre. Parlant des nouvelles pointalières, est-ce que tu avais terminé, Alex, de ton côté? Ouais. OK. Écoute, pas grand-chose, mais je suis tombé, je ne sais pas si tu savais que ça existait, ça, la page de, qui se nomme, de Facebook, le Spotted de Pointe-aux-Trembles. Est-ce que tu savais Ben que ça oui, existait? Oui? je publie souvent sur Spotted Pointe-aux-Trembles pour annoncer Radio Pointeau. Ah, OK. Bon, ben écoute. C'est parce que je suis tombé sur deux petites nouvelles assez comiques, là, tantôt. Ah ouais, vas-y donc. Attends un peu, je t'ai tout Mais tu m'as envoyé envoyé. le groupe, tu m'as envoyé le lien du Ouais, groupe. c'est ça. Clique sur le groupe, c'est dans les premières nouvelles, en fait. Donc, la Ah non! première de Joanne Descoteaux, qui nous apprend qu'elle aurait Attends, trouvé un dentier.
Oui, écoute, j'ai tellement ri quand j'ai vu ces affaires-là parce que je me suis dit, hey, ces petites nouvelles cute-là, là, qui font hyper télécommunautaire, il faut les faire si on peut, là. Donc, si tu peux nous la lire, Alex, là, c'est trop Appareil drôle. dentaire pour enfants trouvé près du parc Maria Goretti. Vous pouvez le réclamer au secrétariat de l'école Bellerive, 15 700 rue Notre-Dame. Puis là, une photo en gros d'un appareil dentaire. Ah, c'est tellement gentil de sa part, pareil. Je trouve ça le fun, moi, quelqu'un qui prend le temps, tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui a perdu son appareil dentaire puis qui nous écoute, ben, crime, Il est là. il est rendu connu. Puis, il y a un autre, une autre petite annonce, là, un peu plus bas, un petit peu plus basse. Ah, ça ressemble à mon chien quand il était Ouais. bébé. Donc, vas-y, pour celle-là On aussi. vient de trouver un chien proche de la 32e et de Notre-Dame. Est-ce que quelqu'un sait il est à qui? J'ai été au vétérinaire, mais la micropuce vient du Mexique. Ouais. Ok. Ok, dans le fond, si jamais vous cherchez votre chien, ben c'est ça. Il y a quelqu'un sur Spotted de Pointe-aux-Trembles qui l'a. Il est super beau, le petit chien. Ouais. En tout cas. Ouais, mais Ah ben. micropuce mexicaine. Tu sais quoi, tu peux pas la lire. Ben vas-y donc, t'as qu'à ça, descendons un autre lit. Hey, le délice des dunes, il fait des vendredis couscous. C'est bien cool. À partir de 13h, les vendredis, à tous les vendredis, c'est dans le fond, est-ce qu'un peu on peut aller manger là-bas, c'est ça? C'est vendredi, c'est journée couscous aux délices des dunes, du veau succulent, des légumes de saison bien goûteux et un couscous parfumé au beurre rance semaine. Ce plat national marocain est parfait pour lunch ou souper après une longue semaine de travail. N'oubliez pas de prendre du Elben pour accompagner ce plat. Fait que ça, c'est vraiment. Il faudrait que j'aille essayer ça. Pour Ben, vrai. C'est écoute. pas un restaurant, c'est comme une épicerie, ça, le délice des Ouais. dunes. Puis. Et on va aller le manger chez vous après, Ouais, si on peut. c'est ça. Bon. Fait que, on le rappelle, Délices des Dunes, nouvelle petite épicerie qui a ouvert sur la 32e, Alex. Ouais. Et un beau petit chien qui a été retrouvé. Ah, ben c'est cool Un ça. chien qui a été retrouvé. Encore. Parce que sur l'annonce, c'était la personne a dû faire une faute de frappe. Là, elle écrit retrouver au lieu de Retrouver. trouver. Fait Ouais. que c'est donc son humeur va très bien. Donc, quelqu'un qui a retrouvé son chien. Hey, des belles nouvelles, pareil. Écoute, en fait, moi, je trouvais ça excellent. Je dis, crème, faut les faire, ces nouvelles-là. Sont succulentes. Y en avait-tu d'autres? Non, c'était pas mal ça. Ben écoute, c'est sûr qu'on peut défiler longtemps, là, Ouais, mais ben. c'était pas mal ça, les grosses nouvelles là, communautaires de Pointe-aux-Trembles. Ben, c'est cool, ça. On en regardera de temps en temps. C'est drôle, ça. Écoute, Alex, je tombe dans le paranormal parce que je suis tombé sur une petite affaire vraiment cool. Encore une fois, je te l'ai envoyé dans le Messenger. Si tu peux nous cliquer sur l'annonce qui est. Ah, je te l'ai peut-être pas envoyé. Ah, ben, Non. tabarnouche. Non, je te l'ai pas envoyé. Attends un petit peu. Je vais gosser dans mes affaires. Ce sera pas bien long. Ok, je te l'ai pas envoyé. Je te l'envoie à l'instant. Ce sera pas long. Désolé tout le monde. Te l'envoie à toi en personnel. Voilà, si tu peux me cliquer là-dessus, mon vieux. Oh, c'est ça que je t'ai envoyé? Attends une minute, attends une minute. Ah. Excuse-moi. Patience. Ah oui, ok. Bon, fait qu'on met Donc, ça. il s'est passé quelque chose sur le plan du paranormal. À Pointe-aux-Trembles, Canada. Ah, Strange. Montréal paranormal. Ouais, je suis tombé là-dessus. En fait, là, tu as la version. Dans le fond, c'est un site anglophone. Donc, on a trois photos ici de photos qui ont été prises dans le cimetière Pointe-aux-Trembles, là, sur Tricentenaire, par Michael, un dénommé Michael. Donc, quelqu'un qui s'y connaîtrait en photo plus. Mais Qui ça date aurait de aperçu. 2008, ça fait longtemps. Ouais, mais Ah ouais, mais quand c'est. même, je voulais le partager Ben pareil oui. parce que
C'est dans notre coin, puis la personne s'y connaît, aurait à 3 h du matin vu une espèce de petite lumière comme ça qui volerait. Il a pris une photo, puis en une simple fraction de seconde, là, on voit que la petite lumière s'est promenée. Donc, je sais pas s'il s'agit de spectre ou d'une luciole qui vient d'un autre monde, mais Michael serait quelqu'un là qui aurait de l'expérience en photo et ce serait pas, selon lui, là, tu sais, comme une espèce de petit flou d'image, là, avant de prendre la photo, il a vraiment vu ça, là, ce qu'on voit. Voilà, petite lumière qui volait dans le cimetière de Pointe-aux-Trembles. Je ne sais pas s'il y en a Ouais, d'autres qui puis ont c'est ça. Puis déjà vu. Denis nous dit Saint-Jean-Baptiste, c'est ça. C'est probablement celui de Saint-Jean-Baptiste parce que ça dit Tricentenaire Cemetery. Mais il n'y a pas de Oui. cimetière sur Tricentenaire. Non, c'est ça, c'est vrai, c'est Saint-Jean-Baptiste, mais d'après moi, il doit y avoir une erreur, puis je vois pas Puis. autrement que ça. Ah ouais, c'est ça. Il s'écrit drôle son nom. Michael, M-I-C-A-E-L. Moi, j'imagine que c'est Michael, là. Michael, ouais. Michael, Bon, en tout ouais. cas, je voulais Ouais. vous faire part de Ben, cela l'esprit. c'est cool quand même que tu aies Ben trouvé oui. ça, parce que ce serait le fun qu'on en trouve d'autres. Mais qu'est-ce Ben qu'il oui. faisait, ce Michael, au cimetière à À 3 h du 3 matin? faudrait demander. Ouais, il s'amusait Faudrait avec des demander. petites... Ouais, il faudrait qu'on le retrouve, ce fameux Michael. Ouais, en tout cas, on voit une espèce de zigzag là, en lumière là, Ouais. qui vole dans les airs, en tout cas. En tout cas, est-ce que ce serait pas quelque chose qui aurait rapport justement là, avec de la photo? Je ne sais pas, là, mais selon ce que lui aurait dit dans son témoignage, ben, ça aurait volé comme ça. Peut-être une espèce de mouche à feu, je sais pas. Bah, je sais pas. On le saura jamais, Bref. probablement, parce que ça date de 2008, puis on est Voilà, dans bientôt voilà. 2022. Et Bon, bon. les chances de retrouver juste ce Michael-là sont assez minces déjà pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Exact. On s'éloigne de Pointe-aux-Trembles, Alex, pour Oui. aller un petit peu plus vers le Montréal. Le Montréal plus ouest, donc à l'autre bout de l'île. Je ne sais pas si sur Messenger, tu vois, je t'ai envoyé un petit vidéo ben non, je te l'ai pas envoyé encore une fois. Attends un peu, ça s'en vient, drette là. Je sais pas si tu as entendu parler de cela. Il s'agit d'une observation, Ah. ouais, une observation de A Strange Black Cloud Hovering Over Hey Montreal, Montreal, did you see qui something really serait attends, attends, arrivé. attends, 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 Hey pas tout Montreal. de suite, pas tout de suite, il part tout de suite, le petit maudit, ben Ben oui, oui, le va. petit maudit. Donc, on regarde ça. Ça ne dure pas Hey très Montreal, longtemps. Et did you see quelqu'un, something really Alex weird in the Melki, sky today? On this nous rainy montre Thursday morning, many Montrealers looked up and ça. asked themselves what the hell that thing was. A video sent in by one of our readers shows a big black cloud hovering over the Espèce de Victoria rond Bridge near downtown Montreal. Le qui va Journal de Montréal flotter spoke to a au-dessus meteorologist, and even he had never seen anything like it before. Our du best pont guess? A Victoria. rare weather phenomenon or something pollution related. Strange times. Alex Melki for MTL Blog. MTL blog. Ah, fait Donc, c'est un peu plate, comme 95% des affaires paranormales. Ben, on sait c'est quoi. c'était quoi? C'est quoi finalement? C'était le tournage d'un film, en fait. À la base, il y aurait eu une explosion dans le tournage de film qui aurait fait que ça aurait fait une espèce de vortex, là, avec un vortex de chaleur, là, quand il y a une explosion, ça fait de la chaleur. Puis ça serait comme une traînée de fumée, un peu le même phénomène qu'on peut voir là, quand quelqu'un fume puis qu'il pitche des ronds. Ah, ouais. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, finalement. C'est une explosion, là. Dans le fond, c'est une pollution atmosphérique là, qui a donné l'impression aux gens là, qu'il s'agissait de quelque chose de non identifié. Mais voilà, on savait déjà c'était quoi. On a su assez rapidement c'était quoi. Bon, tant mieux. Donc, Et c'était pas un bien grand mystère, ça s'est su rapidement. rapidement.
Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi par rapport à ça? Écoute, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour mes trucs insolites cette semaine. Il n'y avait pas plus Ben, de choses c'est que bon. ça. Moi, j'avais une petite dernière nouvelle rapide, Oui, rapide, vas-y donc. bon, sur Pointe-aux-Trembles, là, c'est juste qu'il y a Oui. un ancien, un ex-pointelier, Pascal Dion, là, qui a gagné 3 médailles en Coupe du Monde pour en patin et en patinage de vitesse. Fait Oui. que c'est un pointelier qu'on va peut-être pouvoir voir aux Jeux de Pékin en 2022. Fait que c'est un nom à bien retenir, ça, Pascal Dion, en patinage de vitesse, Félicitations. un pointelier, là, donc on va surveiller ça, ce nom-là, parce qu'il vient de se Bon. démarquer, là, je pense qu'il a une troisième position, une médaille de bronze, là. Est-ce qu'on Fait sait que sur la photo c'est qui? ça doit C'est être lequel des trois? le... Attends un peu, la photo, je vais vous la montrer. D'après moi, ça doit être celui de gauche. Non, d'après moi, c'est celui-là, en tout cas, parce que les couleurs Lequel? celui de droite, Ah, ben j'irais... oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'il a l'air plus canadien, il a les couleurs du Canada, en tout cas, fait Il a que... l'air canadien. C'est bien. On remarque que ça veut. Ça, on ne sait plus, là. Ben, ah, OK. Bon, ben, Ouais. félicitations à toi, Pascal. C'est génial, ça. C'est cool, ça. Ouais, fait que à suivre au Jeux de Pékin. Yes. Quelle année, ça? 2022. 2022, l'an prochain. OK. Ben, je sais pas si... Ouais, ça doit être l'hiver prochain, dans le fond, là. Pas l'hiver qui s'en vient. Là. Ben, peut-être l'hiver qui s'en vient, je sais pas. Je sais pas quand... Attends un peu. C'est marqué? On vient mêler là, depuis qu'ont reculé les années là, lors des derniers Olympiques à cause de la Ouais. pandémie. Ça, Ah, c'était c'est pas marqué. mélangeant. Là, que... Okay. Ouais, je sais pas. On va suivre Ça doit pas ça. être... C'est sûr que c'est pas cet hiver, c'est l'autre hiver d'après, Ça, je suis c'est pas ça mal que je certain. pense, moi. T'as raison. Oh, oui, pas mal certain. Bon. À moins que quelqu'un le sache, qu'il ne se gêne pas pour nous le dire dans le chat. Ouais. Aussi. Qu'est-ce que j'ai, moi? Ah, ben, écoute, on tombe un petit peu dans le ludique. Ben, off, oh, je suis tombé là-dessus aussi. Je voulais le montrer parce que Denis nous avait parlé souvent là, des terrains de camping et j'ai trouvé une belle photo aussi sur la page des amis de Pointe-aux-Trembles de quelqu'un qui. Je t'envoie le lien. De Ouais, je l'ai quelqu'un vu qui. ça. Tu l'as vu? Ok, parfait. Ouais, tu as juste à cliquer dessus. Dans le fond, quelqu'un qui s'est pris en photo avec sa famille au parc Camping Bel Air. Donc, on voit son nom. Donc, ça ressemble beaucoup, je trouve, au parc. Corrige-moi là si je me trompe, Denis. Mais ça ressemble beaucoup au parc au bout de l'île, là où il y avait les trois Cédric. Alex, c'était quoi déjà le nom du parc là? J'ai même fait une Ben, capsule. c'était pas ça le parc du bout de l'île, justement, mais... Oui, c'est ça, le parc du bout de l'île, dans le fond. Mais ça ressemble beaucoup à ça. Fait que on est au Camping Bel Air. En quelle année? On le voit-tu l'année?59. En 1959, une photo couleur. Ça avait l'air Camping Bel cool. Ça Air. Ah oui? ressemblait à l'air d'être le bon temps. Ben oui. Certain, certain. Je sais pas si on pouvait se baigner dans le fleuve directement. Ou c'était vraiment à mode d'être en bedaine dans ce temps-là, mais. Ouais. Là, Voilà. il y a du monde qui écrive dans le chat. Il y a Alexandre Vincent qui nous dit qu'il va y avoir du basketball à Montréal l'année prochaine dans la CEBL. Ça, j'imagine que c'est... Je sais pas si c'est la Ligue de... Puis ils vont jouer à l'Auditorium de Verdun. Fait qu'il va peut-être avoir des joueurs qui viennent de Pointe-aux-Trembles qui vont être dans l'équipe, je sais pas. Mais... L'équipe de baseball, OK, basketball. Basketball, basketball. Ah, Et ben, crime. ouais, puis il y a Véronique Ah, bonjour, Véronique. qui est là dans le chat qui nous dit que les Jeux olympiques, c'est cet hiver, c'est du 4 au 20 février. Ah, merci de la précision. Merci beaucoup, Ah, Véronique, fait que qui, on le rappelle, c'est... Ouais. qu'on a vu lors d'un live à la plage de l'Est. Ben oui, à notre épisode 10, le 3 septembre dernier, ça fait déjà... Hey, ça fait un petit bout. 3 septembre, mais là on est rendu le quoi le 12 novembre. Ouais, ça passe vite, ça passe vite. Fait que, ben oui, certain. Fait que ça va être cet hiver, donc on va pouvoir suivre ça. Ben c'est cool, ça va nous faire un programme à regarder. Moi, j'aime ça regarder ça, les Olympiques, quand je peux. Là. Ben là, c'est sûr que les Olympiques de Tokyo, je n'ai pas en tout à regarder. Là, Ben, on moi dirait non que c'est pas... plus. Puis
Puis là, ben, ça risque peut-être d'être le même phénomène, là, comme c'est t'sais, les heures sont complètement inversées des nôtres, là, Ouais. malheureusement. Mais bon, Mais tu travailles je de nuit. travaille. Ouais, tu travailles de C'est nuit. ça, c'est exactement ça que je me disais. Fait que ça se peut, j'y regarde vu que je travaille de nuit. Ben voilà, moi, c'est vraiment tout ce que j'avais sur Ben Pointe-aux-Trembles. oui, ben on a couvert pas mal d'affaires déjà, Puis, vas-y. hey, merci en passant dans le chat. On aime ça quand vous nous partagez des nouvelles aussi en live. Ça, c'est vraiment cool. Ça nourrit notre show, notre spectacle. Parce que des fois, c'est ça. Nous autres, on creuse, mais des fois, c'est limité. Puis, on n'a pas tout le temps de savoir. Donc, merci à ceux qui ont partagé des nouvelles pointelières. Gênez-vous pas les écrire comme ça en live. Alexandre qui dit, moi, j'ai hâte de voir la game. Hockey masculin, Canada-Chine. Oh, ça sent le blanchissage. Ah, ben oui, ça va être drôle. Mais au hockey féminin, c'est vraiment bon. Là, la dernière fois, je me rappelle là, que j'avais regardé ça. C'était des bonnes games. Le hockey là, aux Olympiques d'hiver, c'est du bon hockey souvent. Là. Bon, à part les premières games là, qui sont tout le temps un petit peu comme des blanchissages ou des trucs comme ça, là, des scores qui n'ont pas d'allure, là, mais bon. Mais sinon, les finales sont vraiment cool. Canada-Chine, là. Ouais. Hein. Hey, faut pas. Regarde, on ne sait pas, là. Peut-être qu'ils ont des. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. On sait pas. Peut-être qu'ils vont Ouais. être vraiment bons. Mais ouais. OK. Très drôle aussi, par contre. Bon. Et puis. Là, Ben, ça, je t'envoie. on serait plus en. Ouais, ça, vas-y. Là, on tombe dans le ludique, hein. Là, un Ouais, petit dans le peu. ludique, c'est ça que j'allais dire, là. On est plus dans le segment film, Ouais, jeux ouais, vidéo. ouais, ouais, c'est ça. Là, on peut-tu commencer par moi? Ben oui, moi j'ai pas Là, grand-chose non plus, mais OK. vas-y. Ben, là, j'ai lâché les films d'horreur un petit peu parce que là, l'Halloween est L'Halloween est fini. passé. Ben, j'en écoute encore, là, mais disons que j'ai essayé de. J'ai écouté d'autres choses un petit peu. Là. Des fois, ça fait du bien. Puis j'avais envie de quelque chose là, pour lutter là, contre un peu la dépression saisonnière. Saisonnière. Dépression saisonnière. Fuck off. Donc, j'ai une série de trois films slash documentaires. Surtout, dans le fond, c'est des documentaires, là, mais d'une durée là, de trois films. Sur des grimpeurs, Alex. Je ne sais pas si je Ah t'ai oui. déjà parlé là, que j'avais trippé bien Ouais, gros ouais, sur. ouais. Dans le fond, c'est un peu une trilogie. Il s'agit de trois documentaires sur des gens qui font de l'escalade et de l'alpinisme. Ah oui. Puis vous allez voir, il y a quelqu'un du Canada là-dedans pour le troisième film, en fait. Mais même si moi je suis aucunement quelqu'un, j'ai fait quelques fois dans ma vie de l'escalade lorsque j'étais dans les scouts. Puis, ben, tabarnouche, j'ai le vertige, même si on regarde un. Non, mais je le prépare, là. Fait que continue à parler. Ah, OK. Fait que dans le fond, c'est ça, là, quand j'étais Ben, dans les scouts, je peux. j'étais. Excuse, je peux le montrer en même temps que tu parles, peut-être? Ouais, c'est ça, j'étais. Donc, là, c'est le premier de Don Wall, c'est ça? Ouais, on peut mettre de Downwall, ouais. Donc, The Ils Don ont appelé pour la Wall, qui première est fois cette nuit. disponible en écoute sur, je pense, celui-là, sur Netflix. Oui, sur Netflix. Donc, vous pouvez le regarder sur Netflix. Dans le fond, c'est la montée de deux grimpeurs du parc de Yosemite. Ah oui. Deux grimpeurs qui ont, comme il y a de cela quelques années, finalement réussi à grimper à deux la paroi de El Capitan, qui est une espèce de falaise insurmontable dans ce documentaire-là. Là, on les suit dans le fond. Là, ils ont dû essayer, réessayer, retomber à plusieurs reprises là, avant de réussir la montée de ce segment-là de El Capitan qui se trouve. Ah, je me semblais que c'était au parc de Yosemite. Alors, j'ai Ouais, peut-être. Mais non, mais ça c'est. c'est au Kazakhstan, je pense. Là, je Ah viens de ouais, voir mais. ça. Ah, non, 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 ça c'est lors du film. C'est pendant le film. Ils ont eu.
Il leur est arrivé quelque chose. Mais ça, c'est vraiment, ça se passe à Yosemite. Là, Ah ouais. Me semble, si ma mémoire est bonne. En tout cas, je l'ai vu il y a peut-être 2 ans, là, ce documentaire-là. Mais dans ce documentaire-là, dans le fond, on suit ces deux gars-là qui ont été un peu les pionniers à monter cette falaise-là qui était, dans un premier temps, là, perçue comme étant une falaise insurmontable. Et ils le font en plus... pas plusieurs jours, mais je pense que genre 2 jours, là, ils dorment là. Ils sont deux. Bon, je vous vendrai pas de punch là, parce qu'ils finissent par le réussir à grimper ce sommet qui était dans un premier temps perçu comme impossible. Donc, ils réussissent. En fait, cette montagne-là avait été grimpée plusieurs fois, mais là, c'était la première fois qu'on réussissait à grimper cette montagne-là avec ce chemin-là. Puis ça a été couvert, là, on le voit là, par les journalistes, ça a été hautement médiatisé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oups, on s'est perdu, je pense. Ouais, le Discord, il a planté. Désolé tout le monde, désolé les auditeurs. Je sais pas si tu peux repartir le stream, parce que le stream, il n'y a plus rien. Ouais, attends un peu. Ok, juste me restarter ça, peut-être. Non, ce sera pas long. Désolé tout le monde. Ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ah oui, pourquoi ça a fait ça, toi? Je sais pas. Ça a planté. Puis là, je suis plus dans... Ah oui, attends un peu. Je vais aller ici. Caroline, j'avais pas prévu ça. Donc, continue pendant que tu règles tes petits problèmes techniques. Donc, dans ce premier film-là, c'est ça, on les suit. Puis je vous vendrai pas de punch là, en vous disant que ben, ils finissent par réussir. Et ils le font avec des cordes là, en escalade traditionnelle. Dans le fond, je dis avec des cordes parce que dans le deuxième film que je t'ai envoyé, Alex. Ouais. Je t'ai envoyé, si tu peux nous streamer ça, s'il te plaît, quand tu auras fini d'arranger tous tes petits trucs. Le deuxième, c'est... Ça s'appelle Free Solo. Donc, free comme libre en solo, finalement. Ouais. On suit les exploits d'un grimpeur américain qui s'appelle Alex Arnold. Alex Arnold qui... Lui est un espèce de personnage. Est-ce qu'on est toujours en onde? Oui. OK. Parce que je te vois plus. Donc, il est un personnage assez intéressant. C'est un gars qui a des traits autistiques. Parce que, bon, il ressent très peu la peur. C'est un grimpeur qui a réussi, lui, le même sommet que je vous ai parlé dans le premier documentaire. Ce documentaire-là, Free Solo, El Capitan, dans Free Solo, en passant, il est disponible, malheureusement, il a été disponible un bon bout là, en streaming sur la plateforme de Prime Video. Mais en ce moment, on peut seulement le regarder. En fait, on peut le regarder sur Amazon Prime Video, mais il faut payer. Ah, ouais. Free Solo, il est disponible en ce moment gratuitement pour les gens qui ont Disney+. Free Solo, c'est les exploits de Alex Arnold qui, lui, a décidé de faire la même montée. Alex, je vois toujours pas. Tu me verras pas parce que j'ai parti mon truc. Vu que ça a planté, okay. Là, je peux pas le remettre. Donc là, on le voit, il est dans un scan, là, Alex Arnold. Là, on le fut dans le preview parce qu'ils ont voulu étudier son cerveau. Parce que le gars, ben, il a une espèce de tolérance comme anormale à la peur. Hein? Avant que ce gars-là ait peur. C'est très long. Et il a décidé de monter le même sommet que dans le premier film que je vous ai qu'on vous a présenté là, de Don Wall. Donc dans Free Solo, lui, il a décidé de le faire sans corde, avec ses deux mains, ses deux pieds, un petit peu de poudre blanche là, pour pas glisser. Fait que c'est un être assez particulier qui vit toujours, hein, il faut le dire. Il vit toujours parce que la plupart des gens qui se pratiquent le sport là, de grimpeur là, comme ça, sans corde, ils ont à peu près une chance sur deux
de mourir. Ben oui. C'est pas moi qui le dis, c'est leurs statistiques à eux. Donc, ce gars-là est une légende vivante, en fait. Là, il fait toujours il grimpe toujours en ce moment, et il le fait sans corde. Donc, quelqu'un d'assez téméraire. Ouais. Je voulais vous parler de ça parce que cette semaine, je suis tombé sur un peu un troisième film, là. Je ne sais pas si tu peux nous passer le trailer. Un film qui est disponible, lui, avec le film, qui est disponible gratuitement sur la plateforme Amazon Vidéo. Donc, ceux qui sont C'est-tu The Alpinist? c'est ça, ceux qui sont abonnés à Amazon Vidéo. Vous pouvez le regarder gratuitement. C'est super bon. C'est sur un alpiniste que moi, j'avais jamais entendu que j'avais jamais entendu parler, un Canadien. De la Colombie-Britannique qui s'appelle Marc-André Leclerc. Ah ouais. Je ne sais pas s'il parle en français, il y a vraiment un nom francophone, Ben ouais, mais c'est ça. bon, dans la vidéo, on le voit, il parle en anglais. Donc, c'est lui aussi une légende, mais lui, pour sa part, là, qui est d'ailleurs quelqu'un qui est admiré par le gars que je vous ai montré dans l'autre film avant, Alex Honnold. Au début, on le voit, là, Alex Honnold, il parle, regarde, on le voit en ce moment. Donc, à quel point il est émerveillé par les prouesses de ce grimpeur-là, qui s'appelle Marc-André Leclerc, qui est un gars, lui, qui faisait de l'alpinisme. La différence entre l'alpinisme puis ceux qui font de l'escalade, les alpinistes vont aller grimper là, avec des espèces de crochets sur des falaises de glace. Donc, ils vont à des endroits que ceux qui font seulement de l'escalade avec leurs mains, évidemment, n'iraient pas. Donc c'est encore plus dangereux, si on veut, Ah ouais. que ce qu'on a vu avant, parce que et lui aussi ça donnait à la grimpe sans corde. Donc voilà. Donc lui aussi avait une chance sur deux d'en mourir. Aïe, aïe. S'il y en a Les paysages sont malades là-dedans, hein? C'est beau. C'est hyper intéressant. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu ces trois documentaires-là, mais c'est à voir. Même si on ne fait pas d'escalade, c'est tellement intéressant d'analyser la psychologie de ces gens-là. C'est particulier. Là, lui, le Marc-André Leclerc, c'est quelqu'un qui souffrait là, du déficit de l'attention avec hyperactivité. Pour qui tout ce qui est sensationnalisme là, tu sais, comme le végétarien ne l'intéressait pas du tout. D'ailleurs, ils ont eu de la misère à le filmer. Ah ouais. C'est ça. Le gars, il se poussait carrément de ça, là. Ah ouais. Bon, ils ont insisté, là, parce que le gars était quand même trop légendaire. Donc voilà, il fallait que je vous parle de ça parce que je trouve ces trois documentaires qui sont vraiment juste trop bons. Dans le premier, là, que je vous ai parlé, on en apprend aussi beaucoup sur toute tout le parc de Yosemite, là, puis super intéressant, en tout cas, même si on n'aime pas l'escalade, c'est tellement beau à regarder, puis ça donne le vertige, surtout, en tout cas, moi, j'ai le vertige, je sais pas pour toi, Alex, as-tu le vertige? Oh oui, énormément. Oui, as-tu déjà fait ça, de l'escalade? As-tu déjà J'en ai essayé ça? fait quand j'étais plus jeune, là, OK. mais juste sur des murs dans un cégep, là, mais that's it. Puis Ah, je OK. trouve ça cool, là, mais je suis pas bien bon, puis j'aime pas ça, j'ai le vertige. Fait que. Moi, j'en ai fait à Val-David deux ou trois fois quand j'étais dans les scouts, puis j'ai le vertige à un moment donné. Et en même temps, c'est ça qui est trippant, là, quand tu fais ça, là, c'est que tu sais, ah, tu sais, je pourrais tomber, mais tu sais, heureusement, moi, à Val-David, là, j'avais une corde, là, tu sais, Ouais. mais non, c'est intéressant comme sport. Moi, j'avais Ben, essayé ça, c'est. j'avais pas détesté. Hey, moi, je te le dis, là, j'ai tellement le vertige que probablement que je regarderais ces vidéos-là puis je filerais pas bien. C'était carré. J'ai vu le Ah, tu film. regardes aller, là. C'est... J'avais vu le Oui. film, là, tu sais, comment ça s'appelle, là, avec The Rock, là, qui escalade un gros building pour aller chercher sa famille en haut, là. Je sais pas si ça dit quelque Ah, chose. non, non, En tout cas, il faisait des affaires à un moment donné. Il faut qu'il court sur une grue pour sauter dans quelque chose. Hey, je filais pas bien, j'avais les mains toutes moites, puis je regardais le non. film. Puis ça me fait pas ça d'habitude, là, regarder des films. Hey, fait que je Un suis. autre bon film. Un autre bon film qui donne le vertige, là, le film The Wire aussi, t'as-tu déjà vu ça? Non, non, c'est ça. Puis je suis pas porté à Ouais. regarder ça, ce genre de film-là, vu que. Ah, c'est tellement bon. Moi, j'adore ça.
Vraiment, c'est dans mes. Ouais, c'est dans un autre genre de film que j'aime bien. Donc, je Ah voulais ben. partager ça, faire changement un peu Des des films films. d'horreur. Ben oui. Oui, exactement. De ton côté, y avait-tu des films Ben moi j'ai un que. film, ben, j'ai un trailer que j'aimerais regarder avec vous autres que j'ai pas Oui. vu, puis probablement que beaucoup de gens l'ont vu là, mais c'est le trailer du nouveau Batman. L'as-tu vu toi? Écoute, je savais même pas qu'il allait avoir un nouveau Batman, mon Dieu, ok. Avec Robert Pattinson? Non, ok, Ah! ouais, ok, ben vas-y donc, voir. Ah, on va aller passer ça. Moi, c'est ça que je voulais Ah voir. ben. J'attendais de Radio Pointo pour regarder ça. Fait Puis là, qu'on. est-ce qu'ils veulent faire une fusion avec le film Joker? Non, Non, j'espère non, que non. C'est comme c'est une comme autre affaire différente, là. On ok, regarde ça. On regarde Batman, ça. on regarde ça. Sphinx. Si tu es bon, cet acteur-là. J'ai juste vu le côté, mais je pense que je sais c'est qui. When that light hits the sky, Oh. it's not just a call. Ah. It's a warning. Y a un taser. Before you've nothing left. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Oh. I'm sure. Why so mad? Whoa! Take it easy, sweetheart. Hear everything they say, ain't you? Maybe we're not so different. Who are you under there? Ben ouais, t'es blindé, hein? I'm vengeance. Hey, la Batmobile était cœur, hein? La Batmobile, on dirait un Dodge Charger, là, genre. Ouais. Aïe, aïe. De Batman. Le 4 mars. Ben oui, écoute, pourquoi pas? Moi, j'avoue que c'est un des super-héros que je suis capable. Ben, je dis que je suis capable parce qu'il y a beaucoup de films des super-héros, ça m'a, ils m'ont comme perdu à un moment donné, là. Il y en a comme tellement eu que j'ai décroché, là. Mais ouais, Batman, ça me parle un peu plus. Toi, t'en penses quoi? Ben moi je trouve que ça va être pas pire. Batman, Ouais. d'habitude j'étais un peu tanné là d'avoir tout le temps les mêmes trucs là, mais t'sais, dans Batman c'est tout le temps t'as tout le temps l'origine on dirait qu'ils refont à chaque fois là, t'sais, puis c'est comme un peu répétitif. Mais là je pense pas qu'ils ont l'air de traiter de l'origine comme telle. Puis là il y a des personnages ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, t'sais, probablement la femme chat, le Riddler. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, là, ces bonhommes-là, là. C'est depuis les années 90, là. Fait que Ouais, ça. peut-être une bonne. Peut-être que l'auditeur de film avait des bonnes raisons pour qu'on les revoie, là. Ben non, mais je sais pas. Ça me parle un petit peu moins, moi. C'est ça. J'ai beaucoup aimé ceux de Christopher Nolan, là, Ouais. les Batman avec Heath Ledger et Christian Bale. Puis pour moi, c'est comme devenu un peu ça, là, finalement, les bons films de super-héros. Fait que j'adhère peut-être un petit peu moins à ceux là, de Marvel comme ça, mais je vais le regarder parce que c'est Batman. Ben Peut-être que ça va être bon, là, tu sais. oui. Ouais.
Je sais pas, tant qu'on l'a pas vu. Ouais, on va voir dans le mois de mars, 22 mars. Fait que ça va être un autre film à voir. Puis là, il y a bien sûr le nouveau Ghostbuster qui arrive vendredi prochain, là, que j'ai hâte de voir, aller voir ça avec mes enfants. Oui, certain. Moi aussi, je devrais aller voir ça. Là. Est-ce que ça va jouer en VOD aussi ou c'est juste au cinéma? Je ne sais pas encore. Okay. Fait que c'est à suivre. Certain. Pour le cinéma, ouais, moi, c'était pas mal ça. Est-ce que tu avais d'autres choses? Non, Alex, pour les films, c'est cinéma? Tout. Ben oui. OK. Moi, j'ai peut-être un petit côté jeux vidéo, si on peut terminer par ça. Je sais pas, est-ce que j'avais présenté la bande-annonce du jeu Elden Ring Radio Pointeau? Je m'en souviens même plus. Je sais pas si on l'a vu à Radio Pointeau. On peut plus. Regarder ça. Parle-nous-en. Ben oui, écoute, je suis un gros fan de Souls Game, là, donc les jeux de la compagnie From Software. Et le 22 février, il va y avoir... Ah, je pense que j'en ai parlé au dernier épisode. Oui, ça me revient, là. Je pense que je vais skipper de bord. Je n'avais parlé de Elden Ring au dernier épisode, donc je te l'avais dit, là, c'était un jeu qui était... qui s'en vient le 22 février, qui a été co-scénarisé par... G.R.R. scénariste... Martin, là? Oui, c'est ça, de Game of Thrones. Ouais. Ben, je suis plus sûr si j'en ai parlé. Je sais que tu m'en as parlé, mais je sais pas si tu m'en as parlé à moi ou tu en as parlé... Bon, on va regarder la bande-annonce du jeu Elden Ring. Dans le fond, les Souls Games, c'est quoi? J'en parle depuis un petit bout à Radio Pointo. C'est des jeux vidéo difficiles dans lesquels on meurt souvent. Et là, on nous présente une itération des jeux. Je t'ai envoyé la bande-annonce dans le... Elle joue, là, présentement. OK. Donc, on nous présente, dans le fond, les mêmes codes que les jeux de Dark Souls et Demon's Souls, mais cette fois-ci dans un monde ouvert. Donc, on va pouvoir se promener dans des plaines. Et ce sera pas dans des corridors, là, dans les Dark Souls, on se promène dans les corridors. Donc on voit là, que la direction artistique est à couper le souffle. Moi, je suis déjà vendu à ce jeu-là, c'est sûr que j'achète ça le jour 1. Ça va être disponible sur toutes les plateformes pratiquement de jeux vidéo. Cool. Il y a un genre de loup-garou là-dedans. Ah, écoute, il y a toutes sortes de créatures fantastiques. On va aussi avoir un destrier céleste. Sur lequel on va pouvoir se promener rapidement dans les plaines, là, parce que le monde est beaucoup plus gros que les autres jeux de From Software avant. Des dragons, des monstres, des chimères, un monde hyper fantastique, mais un jeu, soyez avertis, extrêmement difficile, comme tous les autres jeux de From Software, dans lesquels on peut mettre au-dessus de 100 heures facilement. Martin Bélanger, qu'est-ce qu'il nous dit? Alfred? Ah, même acteur que dans la série de Gotham. Ah, OK, pour le trailer de Batman. Ah, c'est cool, ça. Je sais pas s'il va y avoir un lien avec les... C'est bon, ça. C'est même quoi? Alfred. Est-ce que ça va être le même comme ça, Gordon? Bonne question. Oui. Wow. Hey, donc, ça a vraiment l'air cool, ce jeu-là. Là, sérieux. Oui, donc Elden Ring qui sort le 22 février sur PlayStation 4, PlayStation 5. Et moi, je vous suggère évidemment de le jouer là, le plus possible sur des consoles récentes. Mais quand même, il va être jouable, peut-être un petit peu moins beau sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series X. Ah ouais, fait que tu vas pouvoir jouer sur toutes tes consoles. Épisode là, 375$. Là. Pas trop cher pour jouer à des jeux comme ça, là, next-gen. Là. Donc, ça s'en vient le 22 février, j'ai extrêmement hâte. Il est 60, au prix de canadien de 79,99. C'est certain que je me procure ça. Hey, j'espère que tu vas le streamer. J'espère que tu vas streamer ça. Là. Ouais, écoute, ça se peut. Il faudrait peut-être que je me remette à faire ça à un moment donné. Ah oui. Mais oui, en tout cas. Puis je voulais aussi faire un petit retour sur. Je vous avais parlé de Metroid Dread, donc la dernière itération du jeu de Metroid. J'étais à peu près rendu à la moitié du jeu, je dirais. J'ai fait à peu près 50% là, des armes à débloquer. C'est très, très bon pour ceux qui aiment les jeux Metroidvania, donc les jeux à défilement latéral dans lesquels on débloque des nouvelles espaces faisant l'acquisition de nouvelles armes et de nouvelles habiletés.
Donc, c'est super bon. Évidemment, c'est eux qui avaient parti le genre, là, Nintendo. Donc, si on appelle ça des Metroidvania, c'est pour le jeu Metroid et le jeu Castlevania. On a fait un mot ensemble. Donc, c'est super bon. Vraiment, Alex, je suis pas déçu du tout de ça. Peut-être que toi, le jour où tu auras une Switch, je te prêterai ma cassette. Parce que je l'ai acheté en format cassette physique. Ah oui. Écoute, c'était cœur, hein? Je trippe. Peut-être quelque chose que j'aime un petit peu moins dans le jeu, c'est le fait qu'il y a des espèces d'entités qui nous poursuivent, là, qui s'appellent des EMMI, des E.M.M.I. Je me souviens plus de ce que l'acronyme veut dire exactement, là, mais on se fait courir après par ces créatures-là. Qui nous tue systématiquement. C'est une drôle de mécanique. Ça, je n'étais pas habitué à ça dans Metroid, hein? Mais quand même, le reste en vaut vraiment la peine. Fait qu'il y a, c'est des genres de créatures qui popent dans le jeu et viennent te tuer. Non, ben c'est des espèces de gardiens robots. Ouais, ça pop, exactement. Puis quand ça pop, ben. Là, tu sais qu'il faut que tu cours dans le décor parce qu'elle, elle court, puis elle te court après, puis si elle te pogne, ben, t'as genre une chance sur 100 de survivre à son attaque. Ça m'est arrivé, je pense, deux fois de m'en sortir, mais sinon, tu te fais tuer très, très souvent. Je suis pas certain d'apprécier cette mécanique-là, mais le reste est excellent, vraiment. Les environnements sont super beaux. Les couleurs, le gameplay. Donc, c'est vraiment. C'est du Nintendo là, à son meilleur, là, franchement. Là, ils n'ont pas manqué leur shot du tout. Pour ceux qui aiment les jeux là, de style Metroidvania, c'est un incontournable. C'est sorti là, il y a genre un mois. Puis, je trippe. Ah, on avait montré la bande-annonce, là, faut que je ne la montre pas ce soir, mais je voulais. Puis quand je vais l'avoir fini, ben, je vais vous dire mon appréciation finale. Pour l'instant, ça s'enligne pas mal sur un 9 sur 10. Excellent. Ouais. Non, c'est très bon. Là. Je peux pas vraiment trouver là, beaucoup de défauts à ce jeu-là. Là. C'est du gros bonbon. J'essaie de ne pas le finir trop vite non plus, parce que tu sais, des fois, tu payes 90$ un jeu, puis c'est qui est tellement bon, je pourrais passer mes journées à faire ça, puis le finir super vite, mais non, j'essaie de le faire durer un peu. C'est vraiment super bon jeu. Ah, ben très cool, voilà. Très cool. Genre, voilà. Tu nous en jases de ça. Certain. Yes. Bon. Hey, je vais juste faire un petit retour sur. J'avais commencé là, une série là aussi aux auditeurs. J'ai pas fait de retour là-dessus. J'avais commencé une série sur les pour le podcast de Stéphane Berthomet sur ce qui s'était passé avec Marie-Paul Rochette. Ah oui. J'ai abandonné le projet, chers auditeurs et Alex, parce que. Finalement, je me suis rendu compte que c'est hyper compliqué de narrer des trucs d'investigation. je sais pas, mais j'ai pris conscience de ça, puis je voulais le dire aux auditeurs. C'est pas que j'ai oublié de poursuivre ces épisodes-là, mais c'est qu'en le faisant, je me suis rendu compte que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments à rapporter. Puis ça devient mélangeant en nombre de tout. Pourtant, je m'étais fait quand même des notes, j'avais essayé de structurer mon affaire. J'ai trouvé ça plus épuisant qu'autre chose. Ah ouais. Donc, vous irez écouter ce podcast-là. C'est quelque chose qui c'est quand même qui a rapport avec le quartier de la Rivière des Prairies. Ouais. Là, donc, on avait retrouvé le corps de Marie-Paul Rochette. Super intéressant. Ça s'appelle Disparu, hein, si je me rappelle bien. C'est ça, exactement. Disponible sur la balado de Radio Cannes. Ouais. Fait que c'est ça. Puis il y a deux saisons. Là, même si on est en train d'en faire une troisième saison aussi. Là, chaque saison est un nouveau. Une nouvelle enquête, c'est super intéressant. Mais voilà, ne s'improvise pas, journaliste d'enquête qui veut. ouais, c'est ça. Hein? Ouais, je m'en suis rendu compte. Puis franchement, chapeau Alex de nous avoir très bien fait le récit de l'affaire Nogaret parce que au début, facile. Je disais, il semble qu'il a l'air mêlé des fois, mais ouf, fallait que je l'essaye pour me rendre compte que c'est vraiment difficile à faire. Ouais, c'est quand même tough. Tu passes au travers. J'ai passé au travers en 3 ou 4 épisodes. Ouais. Là. C'est ça. Fait que t'avais-tu autre chose, toi?
Non, ben non, je pense que ça va être tout pour cette semaine. Ben, c'est bien cool, ça. Fait que Ouais. merci tout le monde d'avoir été là ce soir. C'était vraiment nice. Martin Ouais. Bélanger, Alexandre Vincent, Véronique Grossman-Brisebois, Denis Dubé. Merci d'avoir été là. Et à tous ceux qui n'ont pas parlé dans le chat, ben gênez-vous pas. On est là. On fait un show enregistré devant le public. Vous pouvez commenter. C'est vraiment nice. Allez voir notre. Vous abonner à notre page YouTube aussi, parce que quand on va avoir 100 followers sur YouTube, on va pouvoir avoir un URL spécial de Radio Pointeau. Ça va être cool. Ouais, fait que. Puis c'est ça. N'hésitez pas à liker nos posts aussi, ça nous aide dans le référencement. Ça, c'est toujours bien apprécié. Et nous, on va se redire à la prochaine. On se revoit à l'épisode 16 le 26 novembre prochain, tout le monde. Fait que ce fut un grand plaisir encore une fois ce soir, Ninja. Merci, Oui, puis Martin. en passant, on aura peut-être des petites surprises pour vous autres là, lors de notre 16e épisode, là. Juste comme ça, il est peut-être question d'une visite d'un D'un certain musée. musée. On vous en dit pas plus parce que on vous prépare quelque chose pour le prochain épisode. Ouais, c'est ça. Fait que on va vous garder la surprise. Fait que soyez au rendez-vous le 26, là, je regarde tout le temps. Le 26 novembre prochain pour l'épisode 16 de Radio Pointeau. Merci Ninja. Merci tout le À monde. toi, Alex. Et bye, on repasse Et tout le sur. monde. Merci d'avoir été là.